Qui vaut l'argent, en fait, si vous voulez. Ouais, c'est à moi qu'ils ont piqué. Nous, on n'a rien fait. Nous, on attendait juste le virement. On a regardé ce qu'a regardé. Et puis le montant qui est arrivé sur votre compte. 16 millions. Oui. Voilà. Non, c'est bon, c'est bon. C'est arrivé 16 millions. Voilà. Ouais. J'ai toujours été chef de famille, hein. J'ai toujours été chef de famille. Mais les gens n'ont pas compris que dans la vie, l'humilité précède la gloire. Et que tu n'es pas obligé de dire que tu es milliardaire, alors que c'est même dans ta tête que tu es milliardaire. Quand on dit qu'on est milliardaire, il faut le faire voir et non parler. Les milliardaires étant dans... Coucou mon cœur, ça va? Ça va, Tchaya? Non, là, on a reporté. Il avait toujours du monde. Et on a reporté le rendez-vous pour 18h. Il était très... Mais tu sais, il faut être à deux, hein, pour parler de ça. Et là-bas, c'est son bureau et tout. Tu es déjà allé manger? Tu as déjà mangé? D'accord. Okay. Moi, je suis venu à Oka. Là, parce qu'ils ont enfin reçu le virement. Mais seulement, oui, ils avaient déjà livré, mais seulement il y a un reliquat que je devrais verser. Parce que la banque, tu connais les banques, non? Ils ont coupé, ils m'ont coupé bien même. Donc, il y a un reliquat de presque 700 000 hein, que je dois reverser. Apparemment, ils parlent des frais de change, des trucs. Les frais, les trucs de change, oui. Donc, eux, à quoi ça les regarde pas, on laisse tomber, je t'ai dit. Hein. Alors que normalement, ils devraient considérer le taux de change qu'on a eu à faire le jour du virement. Parce qu'après la procédure, que ça arrive ici, ce n'est pas nous. Mais ils devraient considérer ça, mais ils n'ont pas considéré. Je pense qu'ils ont attendu seulement... ils ont attendu quand le taux de change... Ils ont fait quelque chose. Bon, en cas, ça ne leur dit rien parce qu'eux, ils voient ce qu'ils reçoivent sur leur compte, tu vois. Et du coup, ça a fait un peu plus que ce qui a été viré. Donc, je devais donc passer, je te dis, hein, pour régler ça. Oui, tout à fait, je suis contente. Oui, non, avec l'argent que tu m'as envoyé. Je me manque de quoi? Non, pas du tout. Hey, je blague. Je blague avec mon devant derrière. Hein? C'est quoi? Laisse ça. Ah. On a déjà trouvé une solution. Pardon, chérie. Bon, je vais régler ça et puis c'est bon. Et je suis tranquille. J'ai fini. Là, je suis en train d'attendre qu'ils me sortent tous les papiers. Ils doivent me donner. Ils doivent sortir tous les papiers et me donner les justificatifs de réception du virement. Tous les justificatifs des achats. Tout en clôture aujourd'hui, non? Tout à fait, toutes les factures et les garanties, tout. Ah ben voilà, mon dossier il est prêt. C'est bon, d'accord. Quand je suis dans la voiture, je t'appelle alors. Tout à fait, ici. Bon. À manger, voilà, ok. Tu as donné tout est là-bas.
vous additionnez tous les montants. D'accord, c'est bon. C'est 15 900 920 000 plus 325 000. Non, c'est super. C'est très bien. Si vous voulez, je vous imprime le montant reçu. Le montant reçu du virement, oui. Comme ça, moi, je vais envoyer à M. Chappé. Oui. Je vous ai envoyé ça en WhatsApp. Vous pouvez imprimer ça, non? Oui. Ou bien, tu ne peux pas l'imprimer là? Non. Il faut que... Bon, je peux l'imprimer, il n'y a pas de problème. Essaye, si tu peux, tu fais. D'accord, pas de problème. Comme ça, moi, je vais scanner depuis mon téléphone, tout, je lui... Tu l'envoies? Je lui envoie ça, oui. D'où c'est ton sac ici? Allô? Ton sac. Oui, Mohamed. L'âme. Oui, s'il te plaît, essaye de m'envoyer le. Alors, j'ai fini. La banque. J'ai fini l'installation. À 98% je suis installé. Les 2% qui restent, c'est quoi? J'ai tout fini. Mais Jean, j'ai fini. Parce que son mari est suisse, elle a fait du jour. Mais Jean, juste j'ai fini. Ce qu'on a reçu. T'as compris, hein. Okay. À 98%. Ce que tu m'as envoyé, on imprime. Mais la série complète, la série numéro de compte, tout ça. Merci. J'ai fini complètement l'installation. Et maintenant, on va passer encore à la prochaine étape. Des projets. Okay. Oui, prochaine étape. Il faut quand même que ça avance. Oui, bien sûr. Voilà, on ne baisse pas les bras. Une vie sans projet, c'est le début de la mort. Une vie sans objectif, si vous voulez. Hein? Une vie sans objectif. Sans objectif. Il faut créer les projets durs qui te demandent les efforts pour exister. Pour que tu restes toujours sur pied. Voilà, toujours actif. C'est vrai. Il ne faut pas dire, maintenant j'ai fini, je suis tranquille. Non. Là, c'est... Moi, Non. Il faut avoir toujours des projets. Des gens qui connaissent... Des rêves. Il faut avoir des rêves. Je connais des gens qui te disent, bon, je suis arrivé à 50 ans. J'arrive à 50 ans, j'ai quelques trucs, j'ai quelques... Mais c'est bête. C'est même là où tout commence. La maladie même d'abord. La maladie va s'installer. Parce que quand le cerveau ne tourne pas, la maladie s'installe. Tu te lèves là, tac, 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 tu prends une orange, tu prends une tasse de thé, tu penses déjà ce que tu vas faire dans la journée. Justement. Tu prends ta vitamine C et puis tu dis, bon voilà, et si je faisais cette chose. Pour savoir comment, voilà. Oui, il faut faire bouger, il ne faut pas dormir, il faut faire bouger les ménages, il faut faire bouger ceci et tout. Les gens, ils disent que voilà, le Cameroun, il y a l'argent au Cameroun et tout. Bien sûr qu'il y a l'argent au Cameroun. Mais moi, je suis une femme honnête. Quand je gagne de l'argent au Cameroun, mes économies, je les vire en Suisse. C'est normal que le jour que je vais faire un achat au Cameroun, que je vire mon argent au Cameroun. Tu comprends? Et au rythme. Tu comprends? Voilà. Parce que toute ma famille doit être impliquée dans ce que mon mari fait, dans ce que je fais. Tu comprends? Oui, c'est... Moi, je n'ai pas épousé un blanc. J'ai épousé un mari. C'est différent. C'est différent. Oui, je ne suis pas une Africaine qui allait en Europe pour chercher le blanc, pour l'escroquer, pour l'exploiter. Pour faire des enfants métis. Et pour faire des enfants métis. Non. C'est ça. Alors. On fait comment maintenant, madame Chapelle? Je vais faire un dépôt de la. Du reste. C'est quelle date aujourd'hui? On est le 20. Le 25. Le 25, je vais venir déposer la différence. Et il fallait juste que je passe, que je dise que j'ai pris acte de cela. 25 ans, je viens faire la différence. D'accord. Aujourd'hui, c'est mercredi. Le 25, c'est quand? C'est dimanche? C'est dimanche. Non, c'est lundi le 26, ça. Vous ne pouvez pas faire ça avant?
Hein? On ne pouvait pas faire ça avant, donc le 25, c'est lundi. Ah ben c'est le 25, voilà, c'est lundi. Okay. Voilà. Non, non, lundi 25, je viens. Non, il n'y a pas de problème, madame. Oui, ça sera à faire, ça sera à faire comme ça. Ça marche. Pas de soucis. Je pouvais le faire aujourd'hui, en fait. Mais seulement, je ne peux pas parce que si je fais aujourd'hui, ça sera compliqué pour moi parce que j'ai que 1 million jusqu'à lundi pour vivre. Je pourrais le faire aujourd'hui. Mais non, je fais lundi. Parce que je suis chef de famille, ça c'est un imprévu quand même, mais voilà. Elle a dit, quoique, jeudi demain n'a pas encore dit son dernier mot. Je ne suis pas salariée, je suis femme d'affaires. Demain n'a pas encore dit son dernier mot. Je voudrais prendre quoi? Tu sais, je ne sais pas si tu as des bols avec couvercle. Par exemple, si j'ouvre un pâté et que je mange moitié, je mets dans un bol et je le ferme. Et je le mets au frigo, que ce soit fermé hermétiquement. Je ne sais pas si tu as des ustensiles comme ça ici, je vais regarder. On peut regarder ça en bas. Oui, oui. Et j'ai fait accrocher des étagères, j'ai mis des plantes. La cuisine, tout. Faites des photos comme ça. Vous je vais te faire des photos. Mais vous n'avez même pas un site internet. Si. Ok. Ok, Yaoundé. Ok, Yaoundé. D'accord. Je fais des photos. Fais des photos comme ça, tu me montres. Oui, oui, comment c'est devenu la maison. Oui, oui. Je vais faire des photos. En tout cas, je suis là demain. Comme j'ai dit, demain n'a pas dit dans son dernier mot. D'accord. Et je viendrai demain. D'accord. On va arrêter ça demain. Ok, madame. Pourquoi je dois attendre lundi? Ce qui, moi. Tu as enlevé, tu es tranquille. Ce qui, moi. Aïe! Je vous dis que. Bon. Alors, monsieur. Donnez le dossier, madame Chapeau, le dossier, s'il te plaît. Hein? C'est parfait. Alors, à demain. À demain, madame Chapeau. Merci. À demain, madame Chapeau. À demain. Tu veux ton whisky demain? Tu bois quoi? On m'a dit que tu ne bois pas l'alcool. Donc c'est le jus. Le jus c'est 500. Oui, je bois le vin. Tu bois le vin? Ok, je t'apporte ton vin demain. Oui, oui. Mais toi, tu ne bois pas d'alcool, toi. Hein? C'est ça. Tata Guy, je peux t'écrire inbox. Je voulais demander un service, s'il te plaît. Nala Brise. Oui, écris-moi inbox. Madame Chapu, regarde votre boîte, boîte MS. J'ai envoyé un message pour vous, s'il vous plaît. Elisabeth, ma boîte Messenger, d'accord. Je vais regarder. Dès que j'arrive là, je regarde. Princesse, je vais regarder. Alors, tu vois comment les choses se passent très bien. On a été livré, monté, tout, pas de casse, même pas un verre cassé, même pas une tasse cassée. C'est incroyable, Didi. Comme Monsieur Chapuis disait, bonne chance. J'ai dit, ben chérie, la chance est avec nous. Il dit, ben oui, j'espère qu'il n'y a pas de casse et tout. J'ai dit, non, les gars sont, c'est des professionnels, tu ne vas pas croire que sont... Regardez comment je suis ravie. Mais Benjo, tu ne penses même pas qu'il fallait prendre encore un truc ici? Oui. La qualité qu'on a pris. Là-bas, en haut, qu'on prenne encore un. Oui, prenons un au jardin une fois pendant qu'on y est. Je vais prendre le... Je vais vous montrer tout à l'heure ce que j'ai utilisé pour fermer, pour clôturer ma petite terrasse. J'ai pris un, mais il en faut encore. Voilà. Il en faut encore. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et samedi, on va se reposer. Samedi, c'est les plantes vertes. Je m'adresse à toi. Oui, les plantes vertes. Samedi, c'est la plante verte. Parce qu'aujourd'hui, on prend l'autre plante naturelle. On va compléter. Voilà. Ah oui, c'est ça. Exactement.
Merci, merci. Vous avez déjà vu la qualité de collier ici. On porte comme une écharpe. Et je vous demande d'apprécier cet ensemble parce que c'est un ensemble. Bon, salut, ça va? Je viens encore prendre un rideau de feuilles là. Ça, c'est un ensemble offert par ma mamoun. Hein, ma mamoun d'amour. Ma mamoun d'amour. Benjamin, filme-moi comme ça et il voit comment ma mamoun m'a habillé. Ça, c'est un ensemble. J'ai mouru les frères. Filme-moi, il voit comment ma mamoun m'a habillé. Oulala. Ingo. Ingo, t'as vu? Ça, c'est ma mamoun, hein? Ça, c'est via ma mamoun. Et oui, c'est la présidence. C'est pas le papa. Les numéros. Voilà ma mamoun. Quand elle me voit comme ça, elle est fière. C'est la présidence, hein? C'est pas le torpa. Vous avez les numéros. Et comment? Regardez comment ma mamoun. Regardez. Ma mamoun. Ma mamoun. Et plus encore. C'est ma mamoun, regardez. Maman, ça c'est les couleurs de la présidence. C'est même pas les couleurs qu'on s'amuse avec. C'est la présidente. Pardon, fais-nous une dernière fashion police avant de prendre les vacances. Ok, je vais faire une dernière fashion police. Je ne prends même pas les vacances. Est-ce qu'il y a les vacances quand la vie dose? Il n'y a pas les vacances. Parce qu'après ça, maintenant, je me repose 2 semaines et je fais la crémaillère. Et j'invite les amis de Mbeng. Les impacteuses de Mbeng. Je les invite pour la crémaillère. Après la crémaillère, on monte tous pour attendre l'événement de Fleur de Lys. Parce que nous devions soutenir Fleur de Lys. C'est ça qui est ça. Il ne sait pas le bébé. Ça doit bouger sur la toile. Ce n'est pas le bébé que j'entends là, que les gens s'asseyent, racontent les conneries de leur vie et tout. En mode qui n'arrive pas à dire quel métier il a et tout. Et tout. Ça, c'est ma mamoun. Vous avez vu? Je vous avais dit qu'elle m'avait envoyé toute une collection. Je n'ai même pas encore eu le temps. De présenter ça. Aujourd'hui, j'ai pensé à ça. Vous avez vu? Maman, la présidence de ça. Exactement la douce. Hein? Vous avez déjà vu comment une mère, quand je dis mère, hein, mamoun, c'est elle qui veut toujours qu'on l'appelle mamoun. Alors que nous sommes ses aînés de très loin. Hein? Elle aime trop qu'on l'appelle mamie, mamoun et tout et tout. Regardez comment une mamoun. Regardez comment ça se. Regardez. Vous avez vu? Ça qui est ça? C'est fini? C'est fini, ma? Non. Il y a encore le pied, encore le téléphone de demain. Quelle est ta fauteuille? Ça qui est ça? Ça qui est ça? Ça, c'est ma mamoun. Et j'ai reçu encore un autre beau. Oh là là! Mamoun, tu vois, elle va seulement me finir. Elle dit que tu dois être belle. C'est ça, ce n'est pas la bouche. Et mes gens, vous savez, hein? Le bonheur, c'est le bonheur. Hein. Tu ne peux pas être que tu cherches à manger. Tu cherches à manger. Tu ne peux pas faire le marché à 15 euros. Et tu rêves que tu peux avoir une mamoun milliardaire. Non. Non. C'est ça. C'est ça. C'est la loi de la vie qui est comme ça. Merci beaucoup, Pascal. Je viens au pays, je veux seulement la douce. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Nous, on est là. Hein? Les coussins. Hein? C'est toi qui payes. Parce que l'autre jour, il n'y avait pas les coussins. On n'avait pas pensé. C'est combien? Maman, c'est combien un coussin? Ouais. Ok, il n'y a pas le prix. Princesse, pourquoi il n'y a pas le prix des coussins ici? 12 000. C'est soldé? Ah, donne-nous alors le prix. Prends. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut 5. Ah, le coussin, c'est 12 000. Aïe, tu ne peux pas entrer ici chez Orca. Et ça ne te prend même pas. Ça ne te pique pas 100 000, même si c'est comment. Je te dis, merde. Maman, la banque a coupé, c'est un virement de 17 millions. La banque a aussi coupé presque 700 000. Donc, je dois
payé 700 000 encore. Parce que eux, ils m'ont fait confiance, ils m'ont tout livré. Donc je dois verser 700 000. Mais faites les prix. Le prix qu'on peut faire. Ou là, le monsieur d'à côté là. À la caisse, lui. Retouché, c'est à la caisse. Mais c'est lui qui me fait, qui fait les prix ici. Là-bas, la caisse, ça va dépasser. Il reste 4. Il y a ma 16. Donc vous, vous partez au rayon des rideaux, ils vont vous montrer si vous voulez. Là, c'est mal fait. C'est en bas? Oui. On peut trouver ça en bas? Oui. On laisse ça. Vous filmez sur le bas. Ok, filme, alors on descend. Moi, j'ai fini. Les gens, vous savez, dans la vie, ces femmes-là, à la limite, allons! Mais est-ce que j'ignore la couleur? Bonjour, monsieur. Vous allez là où je vais. Voilà. Zoé, ma demi-sœur. Si Zoé est ma demi-sœur, c'est que vraiment, ça ne peut pas être ma demi-sœur parce que mon père, lui, choisissait toujours des belles femmes parce que lui-même était très beau. Il évitait de laides femmes pour ne pas faire de laides enfants parce que Zoé est très laide. Fakoche, ce qui est là, c'est que. Wabep Minga, ce qui est sûr, c'est ça. Je t'ai dit qu'on doit se respecter, mais de temps en temps, je te pique. Je te pique. Wabep. Donc. C'était en fait le tapis que je voulais. C'était gris comme ma salle de bain, gris comme ma salle de bain. Non, attends, voilà un truc bien. C'est plus cher. 50% de ah ouais, 50%. Hein? Sur tous les tapis. Oui, ce que j'ai pris là, j'ai pris un truc là, non, c'est fini. J'ai pris un truc. J'ai pris ça. Hein? C'est où? Ah, c'est la moitié prix. J'ai dit, hein? On peut prendre ça comme descente du lit. Oui, il y a d'autres qui le prennent. Mais les descentes du lit, c'est où? Là, vous avez demandé une deuxième étape. Au tapis? Oui. Ah. Non, mais ça, c'est les salles de bain. Oui, c'est les salles de bain. Il y a d'autres qui prennent le long, là. Oh. Ah, ben voilà, c'est ça que je cherchais, en fait. Parce que j'ai pris un qui est bleu. C'est tout ce qu'il y a comme couleur. Sexe. Ça se vend comme ça. Ça c'est toute la gamme là. Attends. Là, ça c'est ce que j'ai pris. C'est moitié prix, non? Non, c'est 30% ici. Vous étiez dans la zone là-bas, c'est 50. Ici, ça va de 40 à 30. Ah, ici, ça peut faire... 30% ici, c'est combien? Calculez un peu. Aller sur calculatrice. C'est ici. Le monsieur est ici. J'enlève ceci d'abord. C'est ça. Pour mélanger un peu. Je prends mon téléphone. Comment ton téléphone n'a pas de capteur? Tiens, c'est quoi? Ton téléphone ne sait pas calculer. Ça, il cherche l'option là-bas. C'est couvert dans le même truc. Voilà. Tac, calculette.
Là, ça fait 9. On calcule les deux tapis. 9000 fois 0,7. 9000. Fois quoi? 0,7. 0,7, c'est quoi? 30%. Non, c'est fois 30%. 30% de ce prix. Voilà. Non, si je pense pas, c'est pas non. Le prix là-bas. Attends. 9000 fois 0,7. 6300, c'est le prix. Ok, tiens. Moi, je vais prendre les deux là. D'accord, madame. C'est vrai que si j'avais un avec un petit fond rouge, ça m'aurait. J'ai juste celui-ci qui a le fond bordeaux. Non, j'aime pas. Ok. Tu as une prise ici à côté. Oui, madame. Branche mon téléphone là, s'il te plaît. Parce que c'est mieux de mettre ici, comme j'ai mis les parties ici. Voilà. Ça, c'est vrai que ça fait descendre du lit. Merci. Ça fait descendre du lit. Moi, j'ai pris combien? Deux. Ça fait... Oui, je prends deux comme ça. Si je prends deux, c'est bon. Tac, tac, et puis je mets le blanc là. Et qu'est-ce que je devais encore prendre là? Je vais prendre les coussins. Voilà, où sont les coussins? Va lui montrer alors. Les coussins sont aussi en promo. Cherche ce qui tire vers l'orange à 50, sinon, hein? À 50, orange, il y a encore, madame. Il y a encore, non? À 30, on peut trouver orange. M. Elngon. C'est bon. C'est tout à l'heure au troisième étage. Uh-huh. Il est monté prendre le code. On va taper le code et c'est là on passe à partir de. Il y a 18. On va regarder ça. C'est qu'est-ce qu'on va trouver ici en bas. Il n'y a pas ça en bas. Non, il y a dans les étages, il n'y a pas ça. Ah bon. Il y a les roses tout, tout complet, il n'y a pas les roses. Il n'y a pas orange. Il n'y a pas orange avec les tons blancs là, il n'y a pas. Non, est-ce qu'il y a orange? Oui. Alors va prendre, tu me montres s'il te plaît, ce bébé Jo. S'il y a orange, c'est bon. S'il y a blanc, c'est bon. On est pauvre. Hein? Au niveau de la Congo, on y va. Oui. Eh, Fakoche, ton nom me plaît jusqu'à... Non, le son, c'est parce que quand j'ai un téléphone qui sonne, ça coupe le son pour que vous n'entendiez pas pour que vous ne puissiez pas écouter ma communication. C'est un téléphone classe, non? Vous pensez que quoi? Le téléphone classe, mes gens. C'est ça, c'est ça. Zoa dit que elle avait enregistré
ta demi-sœur, que ta demi-sœur ne te supporte pas et que c'est elle qui t'a trouvé libre. Que ma demi-sœur ne me supporte pas. Où est mon problème? Vous dites bien demi-sœur. J'ai besoin d'un support dans ma vie. La belle de la République, le tonneau de sa famille, la puissance de sa, la puissance. Ma demi-sœur là même, c'est qui d'abord? Oui, là, elle avait dit que c'est la, ma demi-sœur là qui m'avait aidé à trouver l'appartement où j'étais. Ça, c'est vrai. Parce que Zoana n'a pas inventé. Parce que vous savez, moi, je suis très honnête. Hein. Zoana n'a pas inventé. Parce que c'est cette sœur là. Je sais pas qui je, tu arrives de l'Europe, tu es à l'hôtel. Tu envoies les gens, tu les payes et puis tu cherches l'appartement. Il est où le problème? Qu'elle enregistre ou pas, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Putain, je vis au golf. Je suis propriétaire au golf. Je meuble ma maison à 25 millions de francs de CFA. J'ai la plus grande mamoune de la République. C'est 50% ici. Donc 30. Il n'y a pas 50%. 50%, il n'y en a pas comme ça. Ça, c'est combien? 30% ici. Le prix. Mais temps sur temps, ça ne va pas trop. Il est venu, il arrive. Le problème, c'est de savoir si c'est en promotion. 6600, il y aura 30% appliqué. Oui, mais c'est bon. Mais là, c'est, ça fait temps sur temps. Si c'est à peu près le même prix, c'est bon. Avec l'autre qui va venir là-bas. Mm-hmm. C'est quoi, on peut même faire? Oui, pour 50%. Donc, tu m'as déjà jugé. Hein? Attendez. C'est pour les meubles de jardin dehors. C'est les coussins de meubles de jardin. 50%. Attendez. Moi, je suis décoré. Non, laisse tomber. Moi, je sais ce que je peux prendre ici. 50%. Ben voilà un truc bon. Le bleu sur l'orange. Le bleu sur l'orange. Ça, c'est beau. Maintenant, c'est une seule pièce. Mais oui, c'est parce que c'est beau qu'il restait une pièce, non? Ferme ça. Et c'est ça qui est 30%. Non, c'est pas 30%. Ceux les 30% sont des ventes. Montre-moi ce qu'il y a 30%. Je vais les coussins pour mettre sur les meubles du jardin, en fait. Bonjour, j'ai laissé mon chargeur. Prends. Le 30%. Ben voilà. Ici, c'est combien? Ça, c'est 50%. 30%. 30%. Ça, ça peut être bien parce que... t'es combien? 30%. Ça peut être bien parce que... On a les feuilles. Attends, je montre à mes... On a les feuilles. Ça montre le jardin, non? Ça démontre le jardin? Oui. Hein? Oui. Ça, c'est pas les... Ça, c'est les coussins de jardin. C'est la seule pièce qui reste apparemment. Je vais regarder la machine. Ouais. Hein? Mais Jean, si Zoa enregistre ma soeur, qu'est-ce que ma demi-sœur? Heureusement qu'elle est honnête de dire que ma demi-sœur, qu'est-ce que j'en ai à foutre vraiment? Hein? Bonjour Lynn. Bonjour. Hein? Est-ce que vous croyez que je suis au niveau où je dois m'occuper des conneries comme ça? D'une vieille femme qui... Une vieille femme qui... qui va chercher les membres de ta famille pour qu'on lui parle de ta vie. Donc, ce que je lui montre là, ça ne la suffit pas. Il y a 4 pièces. Ça, c'est beau. J'étais en train de regarder ceci aussi. J'étais en train de regarder ça. Celui-ci? Oui. C'est combien? Hein? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Hein? Vous ignorez que les sœurs consanguines, c'est ça? Est-ce que moi, je peux aller, franchement, je peux aller parler avec l'ennemi de ma sœur? Que ça a commencé comment? Une femme qui est ennemie de ta sœur, toi, tu parles avec elle. Et ça ne me surprend pas. Hein? Moi, j'aime bien. C'est 30% aussi? Oui, j'aime bien. Fais voir. Voilà. Je prends comme ça deux. Voilà, ça c'est deux. Après, je prends encore deux, ça. Oui. Et puis, je vais prendre un qui est à peu près pareil, mais pas la même couleur. D'accord, madame.
C'est sûr, pas comment le ça. Hein? Non, laisse ça. Ça, je vais mettre ça sur le fauteuil seul. Le fauteuil qui est seul. Mm-hmm. Et ça, je mets ça sur un fauteuil. Mm-hmm. Et maintenant, essaie de chercher quelque chose qui est dans le même ton. Que les deux. Si tu trouves que ce n'est pas la même couleur, c'est parfait. Regarde. Hein? Ça, c'est combien? Ça, c'est joli. Non, c'est... Hey! Mon œil tape seulement sur ce qui est cher, mon frère. Mon œil tape seulement sur ce qui est cher. Hey! Non, je ne peux plus. Hey, je suis là. Regarde un peu l'autre. Mes semences, ils sont gros. Oui, c'est gros, n'est-ce pas? Ça, c'est plus gros. Non, 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 je prends juste les coussins de, pour mettre sur mon salon à l'extérieur. On a imprimé ça déjà vraiment, d'accord? Mm-hmm. Voilà. Les frais, nous-mêmes, on les a payés. On a payé ça de notre poche. Hein? Les frais de... Non, mais ça vaut le coup, hein. Parce que tu sais, pour faire entrer l'argent au Cameroun, c'est quand même difficile. Sinon, mais oui, c'est sinon, si heureusement qu'on a quand même les banques, hein. Faut pas trop se plaindre non plus. Ouais. Benjamin, branche ici. Et puis moi, je... Branche là. Oui. Oui. Je suis en train de voir que c'est... Attends. Téléphoner. Voilà. Je suis en train de voir que... Ça, c'est combien? Moi, je ne veux pas ce qui est cher. 11 800. 30%. 30%, ok. Et là, c'était... Celui-ci. 6 000 et quelques. C'était 10 900. Oui. Cherche encore. Attends. Cherche. Fais voir celui-là. Oui, ça c'est bien. Mais ce serait bien qu'on trouve un truc avec plutôt. Ça c'est trop grand. Oui, on va laisser ça. Oui, oui. Cherche. Oui. Oui, peut-être deux comme ça. Hein. Oui, et on cherche un. On a pris le truc, la fille a pris le... Hein? Oui. Il reste deux pièces. Non. Oui, c'est bon. Et maintenant, tu cherches une pièce seulement qui est kitive. Tu vois que c'est le même esprit, non? Oui. Bon, cherche une pièce pour l'autre truc qui est différent des quatre. Tac, vraiment, tu as raison de dire que c'est ce verbe. Tu es pourquoi vraiment tu as raison de dire que cet immeuble tu... qui dit ça déjà je supprime et puis je cherche ton numéro pour te bloquer maman Guilin si tu cherches le coussin de prendre d'une dope et fait de toi quoi. Non je veux pas ma maison est contemporaine. Vous savez, pour meubler maison, il faut savoir déjà ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. Si c'est du classique, tu prends du classique. Si c'est du contemporain, tu prends du contemporain. Tu ne mélanges pas le classique et le contemporain. Ce n'est pas possible, ça ne passe pas. Il faut prendre du contemporain si tu veux du contemporain en tout. Si tu décides de meubler en classique, tu prends du classique jusqu'aux fleurs, jusqu'aux vases. C'est comme ça. On ne meuble pas la maison au hasard. Fais voir, non, laisse. Fais voir ce que tu as trouvé là. Ça, c'est combien? Moi, je t'ai dit d'aller dans ceux de 10 000. Ça, combien là? 14 000. Non. J'ai voulu ça. Ça m'a attiré parce que c'est dans le ton que je veux. Vous avez compris? Vu que tu as raison que. T'as une soeur qui parle avec ton ennemi. Mais elle parle de quoi avec moi? Elle va même dire quoi à mon ennemi? Elle va même dire quoi à mon ennemi? Que ma fille est double signe. Vraiment de Dieu.
C'est terrible. Le fils de Zoua même qui a encore échoué le probatoire ou le BPC cette année, lui n'est même pas. Il n'est même pas. En bas là, c'est le crayon ne se lève. Donc lui, il est même impuissant. Ça, c'est extrêmement grave. Et nous, on a. Depuis, nous, on a les communications de sa famille. Donc, quand on parle que demi-sœur a dit et tout, je n'en ai rien à foutre. La demi-sœur, là, elle sait que je suis au courant et que je sais qu'elle a parlé de moi. C'est ça, mais c'est triste. Parce qu'on dit qu'un sorcier ne jette pas un paquet, le dernier paquet du poison, le sorcier ne jette pas. C'est pour que je la verse ici, je ne peux pas la verser. Parce qu'elle a le sang de mon père, je ne peux pas la verser. Mais je ne peux pas répondre aux choses comme ça, mais je coupe les ponts. Je coupe les ponts. C'est ça qui est ça. Ça veut dire que ce que j'avais en projet avec elle et tout, c'est elle qui devait même venir m'empoisonner. Vous voyez comment Dieu m'aime. Je ne peux même pas t'en vouloir. Merci de l'avoir trahi. Je ne peux même pas t'en vouloir parce que c'est cette demi-sœur-là qui a toujours été à côté de moi, parmi toutes mes demi-sœurs. Parmi toutes mes demi-sœurs, c'est celle-là qui a toujours été à côté de moi, malgré tout ce qu'elle est. Vous avez compris? Et moi, je l'aime beaucoup. Mais ce qu'elle a fait là, elle-même est consciente que les ponts sont coupés et que moi, je ne vais pas verser sa vie. Je ne vais pas la verser. Alors, ça me sert à rien. Elle n'est pas blogueuse, elle n'est pas influenceuse, voilà. Ça ne me sert à rien. Moi, je n'amène pas les problèmes, les saletés de sa famille. Ce Facebook me sert à quoi? Me sert à quoi? C'est combien là? Et toi, tu ne regardes pas les prix? 16 000 dollars. Je t'ai dit de regarder dans les 10 000 ici. Toi, tu peux m'apporter les trucs que je veux passer, quoi? Ok. C'est tout? Lydie, moi, je veux même pas, j'aime pas prononcer certains mots en famille. Parce qu'elle-même sait que dans la famille, la jalousie ne peut pas exister avec moi. Parce que l'écrasage dont je peux être à Yaoundé, le prochain, s'il faut marcher à pied, sera à Banganté. La prochaine personne qui me suit financièrement est à Banganté en marchant à pied. Vous voulez que je parle de. On parle de jalousie entre le lion et le mille pattes. Non. Ça, c'est du gratuit. Ça, c'est le niveau de Zoua. Tu crois comment. Fais voir. Et c'est tout ce qu'il y a. Non, oui, cherche-moi la couleur, autre couleur. Mais il faut qu'il y ait des motifs comme les autres. Il faut au moins qu'il y ait des motifs qui tirent vers le truc des feuilles, comme les jardins, comme j'ai trouvé là tout à l'heure. Vous avez compris, hein? Moi, je ne veux pas, fille, non. Je viens de payer plus de 2 500 000 de taxes, de TVA. Plus de 2 500 000, sur tout ce que j'ai acheté, j'ai payé la TVA. C'est-à-dire les impôts sur ce que j'ai acheté avec l'argent venant d'Europe. C'est un apport énorme. Parce que j'encourage déjà les étrangers qui travaillent pour mon pays et qui nous amènent à ne pas être obligés de voyager pour trouver ce que nous désirons. C'est eux qui payent les impôts au Cameroun. Si moi, je n'achète pas ici, paye des impôts avec quoi? Donc, c'est ça ma façon à moi de contribuer à l'évolution de mon pays. Et en matière de choix, je ne peux pas sacrifier mes goûts, parce que je suis une femme moderne et contemporaine, parce que je vais aller acheter le tissu pour coudre comme Zoua. Chacun son niveau, je ne fais pas ça. Je ne bricole pas dans là où je vis, dans ce que je mange. Je vous ai toujours dit ça. Je ne bricole pas dans ma vie. Où je fais? Je le fais excellemment et excellemment bien, ou je ne fais pas. C'est ça ma devise. Je vais faire ma crémaillère. Ma famille, mes frères et sœurs, même père, seront invités, sauf celle-là. Et ça sera à vie. Elle va voir ses frères et sœurs invités. Voilà le verre, par exemple. Ça, c'est combien? Ok, ça va. Celui-là, c'est bien. Une pièce. Ça fait 5, non? Ok, c'est bon. J'ai trouvé, vous allez découvrir les coussins que j'ai choisis pour mon truc. En fait, mes gens, je ne vais pas faire sortir cette femme,
cette sœur de ma vie parce que ça me fait quelque chose. C'est parce que je prévois qu'elle peut m'empoisonner. Parce que aller parler avec ton ennemi, si tu es la sœur de quelqu'un, c'est que c'est extrêmement grave. Dieu m'a illuminée. Mais moi, je ne peux pas la verser. Et elle ne peut rien dire sur moi. Parce que je suis la plus riche de ma famille. Vous comprenez? Mon père a plus de 60 enfants. Mais Jean, je suis la plus riche des enfants de mon père. Et la plus riche des enfants de ma mère. Vous avez compris? Ce n'est pas par insolence que je le dis. C'est la vérité. C'est la vérité que je vous dis. Voilà, c'est la vérité que je vous dis. On va me dire quoi? On va me dire quoi? Hein? On va me dire quoi? Elle va me dire quoi? Elle ne peut rien me dire. Benjamin, on a pris le machin. Ok. Je suis la plus riche. Hein? Et vous savez très bien ce que les riches subissent dans les familles, non? Et pourtant, je suis généreuse. Hein? Hein? Mais Jean, ça me fait mal parce que je suis généreuse. Hein? Même dans les réunions de famille où je suis que même père avec eux, quand je fais quelque chose, si je dis que je fais la neuvaine de mon père, c'est du venez voir. Elle le sait, mais ça ne la gêne pas essaie de me trouver les trucs pour les supports pour accrocher, adhésifs, s'il vous plaît. C'est comme ça. Moi, c'est fini. Moi, c'est terminé. Je fais ma crémaillère. Tout ce que je vais faire en ce qui me concerne, toute ma famille sera invitée, sauf elle. Les gens, on ne rit pas avec la vie, on ne s'amuse pas avec la vie. Hein. On ne blague pas avec la vie. Hein? Si elle veut être star, ce n'est pas à travers mon nom. Hein. Si elle veut être star, elle se démerde à être star. Mais tu n'es pas star avec le nom de ta sœur. Tu as trouvé? Oui, c'est pour adhésif que ce soit. C'est pas des choses qui pèsent. Je voudrais des trucs pour accrocher mes perruques. Oui. Voilà, parfait. $4,200. Vous avez compris, mes gens. S'il te plaît, je peux te contacter pour que tu me donnes des idées dans la déco de chez moi. Oui, bien sûr. Mais oui. Je vois, vous voyez, même les cintres, je change les cintres parce que les couleurs de mes cintres doivent être donc, c'est-à-dire pour les robes longues, c'est une couleur de cintre. Pour les tailleurs, c'est une autre couleur de cintre. Pour les chemisiers, pour les chemises et chemisiers, c'est une autre couleur. Ça veut dire que quand je vois la couleur, je sais déjà que si c'est du noir, c'est les longues robes. Si c'est du bleu, c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai déjà mes cintres. Vous avez compris? On me dit qu'on a parlé mal de moi, mais c'est des conneries. Conneries. Elle veut que quoi? Elle veut que je raconte quoi? Que mon père ne s'est pas occupé de moi? C'est ça qu'elle veut que je raconte. Que je suis parmi les rares enfants de mon père qui lui ressemblent. Mais que mon père ne s'est pas occupé de moi. Mais j'étais là quand il était malade jusqu'à sa mort. Et que eux tous réunis, quand je frappais, il n'y avait pas d'eux. Elle veut que je raconte ça? Non. Pourquoi? Dieu me bénit. C'est tout. Elle veut que je raconte mes souffrances avec eux qui étaient là-dedans, à qui on a tout payé et qui n'ont rien foutu de leur vie. Elle veut que je raconte ça? C'est tout. Oui, je vais prendre peut-être ça. C'est adhésif, non? Oui, je prends ça même 4. Oui, comme ça, ça va m'aider à accrocher mes perruques. Moi, je ne vais pas raconter. Mais Jean, quand vous avez souffert dans votre vie, hein, quand vous avez subi des injustices, alors que vous n'avez pas décidé de demander à naître, et que le Seigneur fait de vous ce qu'il est en train de faire de moi. Qu'est-ce que vous faites avec les gens qui vont raconter des conneries sur vous, mes gens? Vous allez faire quoi avec eux? On n'a rien à foutre avec ces gens. Non? Moi, je n'ai jamais voulu parler de ce côté de ma vie. Hein? Laissez tomber, c'est...
ça fait mal, mais quand Dieu décide que toi qui as été rejeté, humilié, parce que tu es orpheline, que c'est toi le nom bas ou non, qu'est-ce que tu vas dire? Je suis très généreuse, mais que cette sœur-là, personnellement, puisse ouvrir sa gueule pour parler de moi. Et que tout le monde me critique, que c'est elle seule que je connais. Tout le monde me dit dans la famille, mais tous mes frères et sœurs consanguins disent que Guylaine, c'est celle-là. C'est elle qu'elle aime. Elle ne nous aime pas. C'est elle, ce n'est que celle-là qu'elle aime. Elle vient parler avec mon ennemi. Les gens, parce que vous voyez mon ennemi juré, est-ce que vous êtes au courant de ça? Bonjour, tu as vu ça? Oui, c'est bien pour les fruits. Si je vais verser des oignons, des échalotes. C'est combien? Non, ça va pas. Je ne pense pas que la croche en fait partie. Mais c'est tout, Suzanne. Je ne sais, je n'ai pas besoin. J'ai fermé la bouche depuis plus de 25, plus de 20 ans. Personne ne m'a rempli. Depuis plus de 20 ans, mange une boum depuis longtemps. Mais Jean, ce n'est pas aujourd'hui. Hein? Si elle est honnête, elle va vous dire. C'est depuis longtemps, mange une boum depuis longtemps. Je mange l'argent depuis. J'aurais besoin de fermer sa bouche pour le moment. Pourquoi? La bouche est déjà fermée. Est-ce qu'on ferme la bouche dans la famille? Est-ce qu'on mal parle de la famille? Hein? Je suis sûre qu'elle est mal. Parce qu'elle ne s'attendait pas que Fakocher allait venir parler et donner les indices. Papa, essaie de chercher le prix. Elle ne s'attendait pas que Fakocher allait parler. Mais, princesse, viens nous donner le prix de cet article. Hein? 15 000. C'est pas en promo. Il n'y a rien comme ça en promo. Hein, mon bébé? La matin, je cherchais là les promos parce que j'ai déjà dépensé. Ok. Moi, j'aime bien ça. Mais en posant au sol, ça fait court. Faut poser sur une étagère. Non, sur une étagère bien. Vous pouvez poser là sur une étagère, mais en posant sur une étagère, ça fait couleur. Au sol, c'est bien. Oui, au sol, c'est bien. Pour un enfant, il ne va pas pouvoir tirer. Mais en bas, au moins, il peut prendre facilement. Ok. Mais c'est pour mettre des fruits, non? Oui. C'est mieux que ça. On peut... Mais ça ne peut pas se poser sur la salle à manger, sur la table de. Non, mais c'est trop pas, long. Ça va pas jouer. Ok, c'est bon. Je ne voulais pas prendre ça, mais prenez quelque chose de bas comme ça. J'ai déjà pris ça. Ouais. Mmh. Ça, c'est au sol. Ok, c'est parfait. Vous allez prendre ça? Oui, je prends. Là, je cherche qui est encore. C'est déjà monté. Démonter. Non, prends ça, non. Où est-ce que moi? Et puis vous prenez le code. Comme ça, moi, au moins, c'est fait. On va. Démonter, allons, attends. On va à la caisse. Vous avez ça compris, mes gens? Moi, je suis une... Je suis quelqu'un qui a le cœur sous la main. Et comprenez-moi que comment tu peux avoir le cœur sous la main? Et que les gens que tu aimes de tout ton cœur, je me rappelle la dernière fois que cette sœur m'a appelé, c'était la semaine dernière, où elle me demandait d'entrer dans le truc pour donner, pour faire des trucs. Et je pense qu'elle a compris que je ne... Et je lui ai dit non, moi je... Parce qu'elle était dans l'histoire de, comment dire, le consul là qui a... Le consul qui a été abattu, où on disait que c'est un gars bamoun. Elle me disait, oui, il faut vraiment faire quelque chose, il faut en parler et tout. Moi, j'ai dit non, moi, Facebook, pour moi, c'est pour jouer. En attendant que le président Paul Biya se présente aux élections ou choisisse son dauphin. Mais sinon, si vous remarquez tous les faits divers de la toile, je ne me mêle pas. Parce que ça ne m'intéresse pas, mes gens. Vous avez compris? Ça ne m'intéresse pas, mes gens. Alors, si elle vient faire des choses comme ça, c'est mal, ça fait mal. C'est triste. J'ai mal. Mais j'ai mal. Et quand je me tourne, je vois mon fils Loïc. Ça va. J'ai trouvé les trucs pour enlever les spaghettis dans l'eau. Ça, c'est bien. On va. Je tourne, je vois mon fils Loïc. Je me tourne, je vois ma fille Doriane, qui sera là en décembre pour le toqué porte, que vous avez dit qu'elle est Lélé déjà, et mon fils aîné aussi, qui va vous présenter, vous allez le découvrir,
Parce que tous viennent en vacances en décembre. Vous allez découvrir, tous sont en couple. Il n'y avait que Loïc qui venait de se séparer de sa copine que Flore connaît. Et là, il a rencontré la femme de sa vie. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à une comme ça, là, qui... que je ne peux même pas parler d'elle parce que c'est ma soeur, c'est mon sang, vous voyez. C'est triste. Mais bon, voilà ce que je cherchais. Oui. Voilà. En promo. Ouvre un peu. Il y a combien de pièces dedans? Voilà. Non, ouvre de quatre côtés. Une seule pièce. C'est une seule pièce. C'est une seule pièce. Vous avez vu? Attendez, je vous montre. Mon téléphone est encore éteint. Apporte un peu. C'est comme si c'est trop petit. Hein? Mmh, regardez. Regardez. Ça, c'est, ça se fait mimétiquement. Comme j'aime beaucoup manger. Vous savez que je suis sardinard. Hey, voilà le truc Tefal. Vous savez que je suis sardinard. Oui, c'est Tefal. Donc, étant sardinard, j'adore la sardine le matin. Et quand j'ouvre une boîte, j'aime toujours, je mange toujours un morceau de sardine. Et il faut que je conserve avec son huile. Et ça, c'est Tefal. C'est très joli. Tu mets là-dedans et tu conserves. Prends ce qui est un peu au-dessus de sa voix. J'ai l'impression que ça, c'est petit. Madame Chapi, il faut vraiment te méfier d'elle. Elle pourrait... Mais est-ce que c'est quelque chose que je blague? Une personne qui parle avec Fakoché, Fakoché qui est venu filmer ma maison, non, ça c'est trop gros. On prend le petit là. Va à la caisse. J'attends que mon téléphone charge un bon coup. Oui, oui, va, va faire l'addition. Fakoché qui est venu filmer ma maison, Fakoché qui a dit qu'elle veut me déchirer avec les mains, Fakoché qui a dit ceci, Fakoché. Et toi, tu peux parler avec elle? Tu peux parler avec mon ennemi? Tu vas encore faire quoi chez moi? Hein? Pour venir voler, là où je suis milliardaire là aujourd'hui, tu viens faire quoi chez moi au golf? Milliardaire chez moi. Hein? Même ma mamoun va se fâcher. Si ma mamoun écoute, tente même d'entendre que cette personne m'a encore approché. Parce que ma maman, c'est ma confiance. Donc, c'est mon tout. C'est ça. Non, 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 non. On s'amuse pas avec les gens comme ça. C'est un peu comme Zoua. Quand Zoua a cru qu'on pouvait se réconcilier, plus, tu ne te réconcilies pas avec les gens comme ça. Les Zoua, les Mvoutou et tout, et tout. Quand Mvoutou a dit que oui, elle a mon WhatsApp, elle aurait dû m'appeler pour qu'on parle ensemble et tout. Non. Mais Jean, je vais vous dire quelque chose. Hein? Hein? Je vais vous dire quelque chose. Mes gens, quand vous avez déjà échangé violemment avec quelqu'un, vous comprenez? Ne vous réconciliez plus jamais avec cette personne. Elle vous touche jusqu'à la mort, comme j'avais dit pour Marie, jusqu'à la mort, c'est fini. On ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas avec des gens. Que je l'ai envoyé chez les marabouts pour charmer et t'aimer. Et t'aimer est où? Hmm? Elle-même qui connaît tous les marabouts, moi, avec le charme que j'ai, avec le charme naturel que j'ai, sur mon corps, c'est-à-dire que je suis née comme ça. Elle n'a qu'à dire ça. Je m'en fous d'elle. Donc, Etemi était quoi, milliardaire? Il était ministre, il était DG, il avait quoi? Il avait quoi? Mais j'en vous avais dit, il avait quoi? On charme quelqu'un qui a les dos, quelqu'un qui a le poste, quelqu'un qui a le, quelque chose que ça va te trouver. Hein? Maintenant, mes gens, là où c'est là, vous voyez les choses? Si c'est ça qu'elle dit qu'elle arrive, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre du tout. C'est tout simplement qu'elle et moi, c'est jusqu'au paradis. C'est tout. C'est jusqu'à la terre finie.
C'est tout. Moi, je ne vais pas parler d'elle. Je ne vais pas parler d'elle. J'ai besoin d'un marabout pour charmer un mec. Une belle femme comme moi, 1m72. 1m72. 71 kilos. 1m72, 71 kilos. Avec la poitrine non tombante, 3 enfants, parfaitement scolarisés. Un mari, millionnaire suisse. Et mon mari est millionnaire, je ne vous l'ai jamais dit. Millionnaire suisse. Et si c'est un gars qui est dans ma vie, c'est pas n'importe quoi. C'est celui qui mérite le golf. Pour le moment là, c'est le high level. C'est comme ça que Dieu fait souvent, il t'épargne des poisons ambulants. Et t'aimer c'est qui? Parle même toujours et t'aimer. T'aimer c'était mon partenaire hein, d'affaires. Hein. On a fait une, deux affaires, ça a marché. Hein. C'est quand même Etemé qui m'a propulsé en politique, hein, avec son poste politique. Mais Jean, est-ce que tu avais quelqu'un, est-ce que tu sympathises avec quelqu'un pour les beaux yeux? Si elle vous dit que c'était mon gars, elle a les preuves. Hein? Elle a les preuves. Hein? Elle a quelle preuve? Une femme comme Fakochère, voilà, tu causes avec une personne. Tu viens maintenant dévoiler la personne sans même mesurer que ce que tu es en train de dire, ça peut impacter sur la famille de la personne. La personne peut être mal, la personne s'est confiée et tout. Toi, tu prends, tu verses sur Facebook. Tu vois, c'est un esprit diabolique. Moi, je ne vais pas me séparer de ma soeur parce que elle a parlé avec, parce qu'elle a parlé mal de moi, parce qu'elle a menti sur moi, mais parce qu'elle a parlé avec une personne qui est diabolique. Fakochère, c'est un diable en personne quand vous la voyez. Hein? Une femme qui n'a pas accouché et ses seins arrivent ici. Ici, sans enfant. Une femme qui a mis des torchons dans son ventre pour accoucher. Des torchons pour mentir les gens qu'elle est enceinte. Hein? Pour mentir les gens qu'elle est enceinte. Hein? Voler l'enfant de sa sœur, promettre à sa sœur qu'elle va lui payer l'école des infirmières, ne rien payer du tout. Arriver à dissimuler une grossesse. Hein? Prendre un enfant de 32 ans, le double de son âge, accepter que l'enfant toque la porte, qui d'autre? C'est Saint-Jean-San à Pépé. On dit, mais il est donc où? Je fais mon live avec vous, à mon réveil, à mon coucher, comme je veux. Est-ce que... Je vous dis, Jean-San Apepe, j'espère que tu arrives au Cameroun. Ces enfants ne connaissent même pas... Ces enfants même... Ma soeur là, je pense qu'elle a 11 enfants. Hein, 11 ou 12 enfants, ou quelque chose comme 12 enfants. Je ne veux pas parler. Je laisse ça sur sa conscience. Et je la barre. Et je vous annonce que dans maximum 3 mois, il y a encore un autre challenge qui sera relevé. Il y a encore un autre bim. Dans maximum 3 mois, il y a un deuxième bim. C'est ça qui est ça. Dans décembre, là, un autre bim. C'est bon, Benjo? C'est bon? Bonjour. Fais quoi? La couleur de quoi? Il dit que c'était trop vert. Que ce que vous avez pris avant n'était pas comme ça. Non, mais il ne comprend pas. Plus on étend, plus ça devient clair. Plus on ferme, plus ça devient vert foncé. C'est ça? Parce qu'il est remonté. Il va redescendre. Il n'est pas vérifié juste. Mais il pouvait faire vérifier juste par le code, non? Et qu'on regarde dans mon fichier client, si c'est le même code qu'on... Il va redescendre. Ok. Mais Jean, je suis en train de prendre le branché ici avant. Vous avez débranché toute une ligne. Je... Mais Jean... Vous savez, je vais vous dire quelque chose.
Viens me brancher ça. Ok. Je vous dis une chose. La chose, c'est que au niveau où est Madame Chapuis, où elle a toujours été. Je t'attends, Jansan Apepe. Au niveau où Madame Chapuis a toujours été. Moi, je tape sexe sur le Congo quand c'est que c'est sur Facebook. Mais dans la famille, hein, je ne suis même pas d'abord au courant de ces gens-là. Je ne suis pas d'abord au courant. Aller voir les marabouts pour être aimé, tout ça, tout ça. Regardez-moi les choses. C'est bon? Oui, c'est bon. On a compris. C'est de combien? C'est 135 000. 135 000, Benjamin? Oui, parce qu'on a pris le tapis là, c'est 40 000. Hein. Quel tapis? Le truc pour la vertu. Non, 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 on c'est 30 poussières. 31. Ah, bah tu as venu. Attends, attends. On a pris ça l'autre jour. C'est en promotion, il fallait montrer à la fille. C'est en promotion. C'est en promotion. Ça, c'est en promotion. J'ai pris ça à 31 000. C'est ça. 31 000. Mets-moi un peu ça deux secondes. Comment tu dis 100 000 et puis 130 000? Princesse, tu as payé ton gars là pour me venir me faire la remise. Hein? C'était 400 combien de mille? Ah bon, hein? Ok. Ben, tu avais le doute sur le truc? Oui, non, c'est bon. Non, mais c'est la même chose, papa. Oui, tu arrives à pour la voilà, demander ma c'est notre ce machin là. Il nous restait quoi encore? C'est fini, je pense. On a fini de régler en haut. C'est bon. Après, on va aller pour le meuble de la femme là. Au Cameroun, les gens ne savent pas. C'est comment, mon fils? Au Cameroun, quand les gens ne savent pas que quand ils sortent de la voiture, ouvre la portière. Mon cher, tu as jeûné encore aujourd'hui? C'est ton travail, non? Oui. Pardon, tu dis que la lime cigare là ne marche pas? Ça marche, il n'y a pas. Le truc pour brancher? On peut trouver ça où? Élie Gézoua? Oui. Où? Oui, parce qu'on doit brancher ça. On doit brancher notre téléphone, mes gens. Vous avez remarqué que j'ai changé de voiture. Vous avez remarqué? Oui, c'est décontracté. C'est ma mamoune. Hein? C'est ma mamoune qui m'a offert ça. C'est ma maman qui m'a offert ça. Fais vite, pardon, on va chercher le truc là pour m'allumer. Oh, elle allume le cigare. C'est ça. Fais vite. Mon chéri. Fais vite, on doit chercher ça parce que mon téléphone va s'éteindre. On cherche ça pour brancher mon. À la descente, partout là. Oui, qui vient. Oui, mais depuis, pourquoi tu n'y penses pas, Benjo? Toi aussi. Non, même si on cherche, donc ça va. Comment est-ce que tu tournes le moment? Oui, j'ai envie de manger le plantain avec la prune. Ouais, bon, on va regarder. Et dis-moi, si toi tu ne me montres pas le plantain avec la prune aujourd'hui, toi. Voilà. On va porter la même culotte. Tu vois, donc tu essayes de regarder, non? Regarde les gars qui ouais, vendent les trucs là, on essaie de prendre ça pour ses chaussures, ça c'est les médicaments. Maintenant qu'on cherche ça, on risque de ne plus trouver. Les partout sont étalés là, partout au sol. Là. Moni. Attendez, on cherche le chef. Tout pour charger le téléphone. Eux ont dit que les médicaments marabouts.
On charme. On charme quelqu'un qui n'a rien. On charme un n'a rien. Oui, les voilà, non. Oui, ils sont là. Ils vas-y, sont non. Là. Attends, tu as serré là. Je vais... Mais Cugnot, tu sers là. Apporte-moi le chargeur de voiture. Chargeur de voiture. Ah, dans votre petit. Oui. Ah non, il y a, ça y a plus ça. Allez. Allons, vous dites qu'il n'y a pas. Je suis dépassé par cette soeur-là. La recherche de la Starmania de ça. Elle va chercher la Starmania auprès de Facochère, auprès de l'employé, l'esclave de sa sœur. Les Bamoun, hein. Vraiment, c'est une tribu. Heureusement que j'ai jamais. Elle va vous raconter tout ce qu'elle veut. Mais elle vous dira jamais que je suis déjà sortie avec un Bamoun. Hein. Ah, c'est ça la mentalité. Hein? C'est ça la mentalité en fait. La mentalité, c'est ça. Et dit que hein, le planter avec la prune, si je mange pas ça maintenant, là quelque chose va, peut m'arriver. Je t'ai dit, planter de ça avec les bonnes prunes de ça. Maman jusqu'à dire que je l'envoyais souvent aller faire les ngrimba pour charmer et t'aimer. Que c'est ma soeur. Tu vois ma soeur là qui est rouge comme la banane là, non? Oui. Celle qui était à mon anniversaire là. Oui, oui, oui. Tu te rappelles? Oui, oui, oui. Je me rappelle. Tu connais, tu la connais, non? Oui, non, on était au bois de Ben ensemble. On l'avait amené au bois de Ben, non? Oui, oui, maman, de Ben. Mmh, c'est elle qui est partie mal parler de moi à Chopin. C'est parce que tu as fait voyager. Oui, c'est pourquoi Loïc, quand, si vous voulez que Loïc s'énerve, présentez-lui un Bamoun. Présentez-lui un Bamoun. Ma propre soeur. Ma propre soeur. Que chez moi, c'est chez elle. Non, non, non. Ma propre soeur. Elle va parler à Chopin. Oui, c'est non, il faut. C'est moi, ce qui est important, c'est mon chargeur. Ça chauffe. Oui. Le plantain chauffe. Réchauffe bien. Les prunes là sont bonnes. Oui. Hum? Réchauffe bien. Et trois. Tu réchauffes aussi trois prunes. Trois bonnes prunes. Hein. Ils sont bons pas acides. Si c'est acide, je ne mange pas. Mets ça. Ça va dire à ma soeur que hein, l'appartement que je l'avais payé pour me trouver, ça va donner, ça m'a donné le milliard. Et que moi je lui avais dit, les dernières conversations, je lui avais dit que c'est elle qui doit être madame de compa, par amour. Et remercier Zouadi à Zouaké, je la remercie. Que vraiment, même si elle m'a fait quoi, je lui pardonne, avec ce qu'elle vient de faire là. Je vous jure que mes gens, j'étais plus proche de ma soeur consanguine là que tout le monde. Et Zoua ne ment pas. Zoua ne ment pas parce que Zoua manque sur... Elle a menti Zoua sur les marabouts parce que je n'y vais pas. Mais Zoua ne ment pas sur l'histoire que c'est elle qui m'avait aidé pour faire les recherches d'appartement quand je voulais l'appartement à Yaoundé. J'avais fini un contrat de travail à Douala. Je voulais l'appartement à Yaoundé. Et ce qu'elle n'a pas dit à Zoua. Et mes gens, oh là là. Toi qui allais raconter les choses à Zoua. Ce que tu as oublié de dire à Zoua, c'est que quand il fallait payer les meubles, c'est toi que j'avais signé les chèques. J'ai fait comme ici à Oka, hein, mais ce n'était pas Oka, Oka n'existait pas, j'ai fait ça à Reliance.
la première fois de sa vie qu'elle part à la banque avec le chèque. Ça fait combien?